طلب العلم فريضه على كل مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu, Akbar. Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. » Alors, des fois, comme l'être humain, il est curieux, alors des fois l'être humain il se pose des questions. Et des fois même les enfants, vous nous posez la question. Et vous nous demandez d'où vient Allah Est-ce que quelqu'un a créé Allah Alors on va voir, est-ce qu'on a le droit de dire qu'Allah il s'est créé ou qu'Allah il a été créé Non. Pourquoi C'est Allah et la nature Non. La nature, elle n'a rien à voir dans cela. La nature, elle n'a pas créé Allah. Lui qui créé. Mais c'est Allah qui a créé la nature. Retenez ça, les enfants, c'est très important. On répète, la nature la n'a pas, pas créé Allah. Car personne n'a créé Allah. Mais c'est Allah qui a créé toutes choses. Mais c'est Allah qui a créé toutes choses. Et ça, c'est un, une chose très très importante. C'est qu'Allah Azzawajal, c'est lui le créateur de toutes choses. Et personne n'a créé Allah. Répétez, personne n'a personne créé, créé, créé Allah. Et ça, les enfants, retenez toute votre vie cela. C'est que l'être humain, l'être humain, il est incapable de répondre à certaines questions. Il y a certaines questions où on n'a pas la réponse, on ne peut pas répondre. Donc comment on fait pour savoir C'est Allah Azza wa qui nous donne les réponses. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah, il dit dans le Coran, Allah, huwa Allahul khaliq. Répétez, c'est Allah le créateur. C'est Allah, le créateur. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Allah, il a tout créé. Qui a créé le ciel Qui a créé la terre Qui a créé le soleil Qui a créé la lune Qui a créé les océans les forêts, Allah. les étoiles, Allah. les animaux, Allah. les êtres humains, Allah. les anges. C'est Allah, Allah Azza qui a créé toutes choses. <coughs> par contre, si je reconnais que toute chose a été créée par Allah Tabaraka wa Ta'ala, toute chose a été créée par Allah, est-ce qu'Allah c'est une chose donc est-ce qu'Allah il a été créé? Est-ce qu'Allah c'est un être humain? Qasim il dit qu'Allah c'est un être humain. Est-ce qu'Allah c'est un être humain? Non. non. Allah, Allah c'est le créateur des êtres humains. Ça veut dire quoi? Il faut, c'est important les enfants de bien comprendre cela. Allah, subhanahu wa taala, il n'est pas comme ses créatures. Allah il n'est pas comme nous. Il nous a créés. Il a créé les anges. Il a créé les animaux. Il a tout créé. Mais lui, c'est le créateur. Il n'a rien à voir avec sa créature. Et est-ce qu'Allah, il nous ressemble? Non. Allah, il dit dans le Quran, laïsa kamithlihi shay. Répétez, laïsa kamithlihi kamith shay. shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on reprend. Allah Azzawajal, c'est lui qui a tout créé. Et personne n'a créé Allah, parce qu'Allah Azzawajal, c'est lui le créateur. Et on ne dit pas qu'il s'est créé tout seul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une créature. Allah, il ne s'est pas créé. Il n'est pas une créature. Donc une créature, elle n'est pas, elle n'est pas créée. Pourquoi? Parce que une créature, c'est quoi? C'est quelque chose qui a un début, c'est quelque chose qui a un début et quelque chose qui a une fin, comme l'être humain. Quand tu nais, c'est un début, et quand tu mors, c'est c'est la fin. D'accord? Un chat, qui a un chat à sa maison, ou un lapin, ou un lapin, ou un animal domestique. Quand, des fois, tu l'as tout petit. Mais il arrive un moment, il va partir, il va mourir. C'est comme nous. Nous, on est nés et un jour, on va mourir. C'est comme ça, est, on est des êtres humains. Toutes les créatures d'Allah, elles vont disparaître. Elles ont eu un début et elles auront une fin. Mais Allah, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Allah, il a toujours été là, subhanahu wa ta'ala. D'accord C'est pour cela qu'Allah, il est parfait. Nous, on n'est pas parfait, d'accord Des fois, on est fatigué, on a besoin de dormir. Est-ce qu'Allah il dort Non. On a on faim, on, on, on a faim, on a besoin de manger. Est-ce qu'Allah il a besoin de manger Non. Est-ce qu'Allah il a besoin de dormir Non. Est-ce qu'Allah il est malade Non. non. Allah non. il est parfait, Allah Azza il n'a pas besoin de ces choses-là parce qu'Allah Subhanahu wa Taala parce qu'Allah Azza wa c'est lui, le créateur de toutes choses. Sa vie, elle est parfaite. Il est le vivant, celui qui ne dort jamais. Allah, c'est lui qui nous a fait exister. Et personne n'a créé Allah. Subhanahu wa ta'ala. Répétez la ilaha. La ilaha. Illallah. Muhammadun. Rasulullah <advancé par les> Allah. Talab al faridatun ala kulli muslim. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.